C'est drôle. Rien. Anarchie est actuellement en direct. Tu arrives à me... Ah, je ne sais pas si mon micro marche. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas, est-ce que c'est... Vous arrivez à m'entendre? Oui, Badr, je suis en direct d'Abab, là. Qu'est-ce que tu trouves? Parce que j'entends rien, mais Anna, qu'est-ce que... La correction de marche, Ah. c'est la maison de la chiche. Alors, Katbilia, merci madame pour les efforts que vous faites. Je suis vraiment intéressée par le sujet de la logistique. C'est en direct, c'est bon. Ça veut dire que tu es en direct. La maison de la chiche. Ah, tu n'es pas encore. Il y a plusieurs C'est bon, personnes. Il y en a certaines c'est personnes, né c'est. Ah, bien sûr, 30, mais. 30, c'est 50 ou tu peux commencer. D'accord, ça marche. La Non, mais il y a des personnes qui écrivent, donc ils sont en c'est direct. bon. Ça marche. Merci, Badr. On attendra à 18h30 pour que tout le monde soit là parmi nous, parce que comme le rendez-vous est à 18h30, donc à tout de suite. Quelques minutes encore et on démarre ensemble. À tout de suite.
connexion. C'est la connexion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravie d'être parmi vous ce soir. Et franchement, je suis très honorée. Très honorée et très contente de cette initiative que M. Boulek et M. Nabira ont vraiment eu l'intelligence de mettre en place dans ces circonstances que notre cher pays vit. C'est un bon témoignage de leur solidarité, de leur citoyenneté infaillible et également de leur sens du partage. Et je ne peux que justement me joindre à eux et à vous justement pour partager cette passion, la passion du savoir, la passion du partage des connaissances et des compétences. Voilà. Donc pour ce séminaire, qui est le séminaire logistique, je ne vais pas partager aujourd'hui avec vous un mot qui s'appelle logistique, mais je vais partager une passion. Une passion qui aujourd'hui est très mal connue pour certains, très peu connue pour d'autres, d'autres sont des experts dessus. On va parler à tout le monde, à monsieur tout le monde aujourd'hui. Monsieur tout le monde qui est parmi nous, qui souhaiterait participer avec nous à ce premier séminaire, à cette première séance, qui sera une séance d'initiation et de partage et de compréhension de ce que c'est la logistique. On va essayer de mettre des explications sur des notions. On va la vivre dans la vie de tous les jours et on va essayer aussi de répondre à vos questions dans le quart d'heure qui suit. C'est-à-dire, on va essayer de faire notre séance environ entre 30 et 45 minutes et on laissera 15 minutes ensuite pour les séances questions-réponses. Voilà. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est la logistique? Tout le monde se demande, c'est quoi la logistique? La logistique, c'est quelque chose qui vit chez nous, avec nous, dans notre vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, on va essayer de la localiser. Bien, je vais commencer par le commencement. Alors, dites-moi, quelle que soit une entreprise, peu importe laquelle, pensez à celle qui vous passe par la tête. Aujourd'hui, il n'existe que trois catégories. Trois catégories d'entreprises. La première, c'est l'industrie. L'industrie, qu'est-ce que c'est une entreprise industrielle? Pour les gens qui ne savent pas, c'est une entreprise qui permet de transformer la matière première en un produit fini. Sa valeur ajoutée, c'est la transformation. Une deuxième catégorie d'entreprise. Je ne suis pas une entreprise industrielle, pas dire quelqu'un. Je ne transforme pas la matière première en produit fini. Je suis qui alors? Je suis une entreprise de service, c'est-à-dire que je produis. J'ai fait de la production, production d'un service. La plupart d'entre vous, on va me dire production de quoi? D'un service, par exemple. Je suis médecin, avocat, hôpital, formation, conseil, administration. Tous ces métiers-là, et d'autres bien sûr, tous ces métiers-là, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent du service, c'est de la production, et la production de service. C'est pas un produit
C'est pas un produit, comment dirais-je, c'est pas un produit tangible, c'est pas un produit, c'est un produit immatériel, c'est pas un produit matériel. Et la troisième catégorie d'entreprise, c'est l'entreprise de distribution. C'est une entreprise qui achète de la matière première, plus de la matière, excusez-moi, qui achète de la un produit et revend le même produit à son état, c'est-à-dire au même état auquel il a été acheté, il n'y a pas de transformation. Mais sa valeur ajoutée est énorme. Qu'est-ce que est la valeur ajoutée d'une entreprise de distribution? Sa valeur ajoutée, c'est l'économie d'échelle parce qu'elle nous permet justement d'acquérir ce produit au plus bas coût, dans les meilleurs délais et à la qualité qu'on exige. On a beaucoup entendu ce terme. On veut un produit au plus bas coût et dans les meilleurs délais et à la qualité qu'on exige. Qui sommes-nous? Nous sommes le consommateur final. Donc, si je peux résumer un peu de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Quelle question une entreprise, peu importe laquelle, il en existe trois. Industrie, service et distribution. Prenez n'importe quelle entreprise qui vous passe par la tête, elles sont dans ces trois catégories. Ce ne sont pas des formes juridiques ni des formes économiques. Ce sont des catégories d'activité. Ce ne sont pas des secteurs d'activité parce qu'on a les secteurs d'activité dans les trois. Ce sont des catégories d'activité et chacune d'entre elles ne peut survivre sans l'autre. Ils sont toutes les trois liées entre elles dans une chaîne qu'on appelle la Global Supply Chain. C'est la chaîne logistique globale, la chaîne logistique externe. Bien, comment ça se peut que cette chaîne-là existe? C'est une chaîne dans laquelle il y a des maillons, comme ma chaîne. C'est une chaîne constituée de maillons. Chaque maillon, c'est une entreprise qui est en même temps quoi? Fournisseur et en même temps client. Cette entreprise, elle a intérêt justement à être maillon fort dans cette chaîne. Si elle est maillon faible, elle rendra toutes ces chaînes-là faibles. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire justement une entreprise pour être justement maillon fort, quelle que soit sa catégorie? Elle doit ramener le fameux QCD, triangle d'or. C'est la première notion qu'on va acquérir aujourd'hui ensemble dans cette initiation à la logistique. C'est le principe fondamental, c'est le triangle d'or. Qu'est-ce que c'est le triangle d'or? Le triangle d'or, c'est un triangle qui contient trois flancs. Dans le premier flanc, on trouve dans un coin la qualité. Qu'est-ce que j'entends par la qualité? Est-ce que c'est la meilleure qualité? C'est une erreur. La plupart disent « Ah, il faut la meilleure qualité ». Ça n'existe pas, la meilleure qualité. La qualité, elle est… La qualité… Alors, c'est quelle qualité dont on parle, justement? C'est la qualité exigée par le client et donc que l'entreprise doit procurer. C'est ce que moi j'appelle la qualité irréprochable. Irréprochable par rapport à quoi? Par rapport aux exigences. On ne discute pas par rapport à cette qualité-là. Bon, si j'ai besoin de cette qualité-là, par exemple, j'achète je fabrique ou j'achète moi une télécommande. Peu importe le produit, un stylo, une télécommande, peu importe. Alors, est-ce qu'il y a mieux que ce stylo sur le marché? Oui. Est-ce qu'il y en a moins? Aussi. Mais c'est cette qualité-là qui correspond à mes exigences. C'est celle-là dont je parle. C'est la qualité exigée. Plus que cette qualité-là, c'est de la surqualité. Moins que cette qualité-là, ça deviendra de la sous-qualité et ça ne répondra pas aux exigences de mon client, aux exigences des clients en globalité. Donc, je dois chercher la juste qualité, qui correspond au juste besoin, qui correspond au juste besoin de cette entreprise ou de cette activité. Bien. Alors, le premier point, il y a la qualité. Sur le deuxième coin de ce triangle, il y a le délai. Alors, tout le monde va se dire, ah, il faut le délai le plus court. Eh ben non, c'est pas le délai le plus court. Pourquoi? Parce que le délai le plus court peut me coûter plus cher, autant qu'entreprise. Si je passe une commande pour un délai dû, 15 juillet prochain, mon fournisseur me livre le 15 mai, ça ne me rend pas service. Toutes les fonctions de l'entreprise sont contentes, sauf deux. Deux activités qui ne sont pas contentes, bien sûr les logisticiens, on va voir après qui sont ces gens-là, et également les financiers. Pourquoi les financiers? Justement parce qu'ils vont payer des factures, ils vont payer une facture d'une marchandise dont l'entreprise n'en avait pas besoin, qu'ils ont reçu 2 mois à l'avance. Et donc, ils vont la payer 2 mois à l'avance. Et également, les logisticiens ne sont pas contents parce que ça va leur générer des coûts de possession des stocks
et de coûts de gestion de stock supplémentaires dont ils n'en avaient pas besoin, justement. Donc, le délai, c'est le délai convenu, le délai exigé. Pas avant et surtout pas après. Pourquoi surtout pas après? Pour éviter justement qu'il y ait des ruptures de stock, tout simplement. C'est justement le délai convenu. Donc, une qualité irréprochable, un délai convenu, et le troisième coin, qu'est-ce qu'il y aurait? Eh bien, c'est tout simplement le coût. Comment il doit être le coût? Alors là, on peut se défouler. C'est le coût le plus bas. Bah, certains d'entre vous, quand ils vont m'entendre, ils vont m'écouter, ils vont dire « Ah, le coût le plus bas, comment ça se peut ?» On cherche le coût le plus bas? Non, on cherche le coût le plus bas de la qualité qu'on exige dans les délais qu'on exige. C'est ça justement le fameux QCD. C'est la qualité exigée dans les délais et au plus bas coût. C'est le fameux, justement, triangle d'or. Pourquoi je parlais du triangle d'or? Parce que justement, c'est ce triangle d'or-là, c'est ce QCD-là que chaque client exige à ses fournisseurs. En tant qu'entreprise ou n'importe quelle entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche? La qualité au plus bas coût et dans les meilleurs délais de ses fournisseurs. Et le fournisseur qui ne lui donne pas le QCD, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va l'éjecter. Elle va l'éjecter de sa chaîne. Mais qui tire? Pourquoi cette entreprise doit chercher le QCD de son fournisseur? Eh bien, tout simplement pour le donner aussi à son client. Et c'est qui son client à elle? C'est un autre client, c'est une autre entreprise, jusqu'à ce qu'on arrive à nous. Nous qui? Le consommateur final. Les consommateurs finaux, le consommateur final. Je suis un consommateur final et comme nous tous, j'exige la qualité, le coût et le délai. Chacun d'entre nous, justement, à la qualité, le coût et le délai. Alors, dites-moi, monsieur et madame, quand vous partez chez une pâtisserie, vous rentrez dans une pâtisserie, vous avez l'habitude d'acheter chez elle et vous achetez votre produit depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes rentré et vous avez trouvé en fait quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre croissant. Vous avez fait la remarque. La prochaine fois, ça ne s'est pas amélioré. Est-ce que vous allez revenir encore chez ce fournisseur? Ben non. Vous venez d'expulser ce fournisseur-là de là, justement, de votre supply chain. Monsieur, est-ce que vous allez revenir chez un médecin qui vous laisse en liste d'attente ou en attente pendant plusieurs heures alors que, justement, vous avez un rendez-vous à X heures, à 14 heures, et vous avez énormément d'autres rendez-vous cet après-midi qui ont été ratés à cause de ce médecin? Malheureusement, ben, j'espère pour vous que c'est non, exact. Et également, est-ce que vous revenez toujours chez un magasin chez lequel vous avez acquis un produit et vous avez trouvé le même produit à la même qualité, dans les mêmes délais, mais vous l'avez trouvé dans un autre magasin, mais encore moins cher? Eh bien, vous revenez jamais plus chez cette entreprise. Vous faites quoi, vous aussi, monsieur, madame, monsieur le consommateur? Vous tirez également le QCD, la qualité, le coût et le délai. Dans ce cas-là, une entreprise, quelle qu'elle soit, industrie, service ou distribution, elle a intérêt à procurer ce fameux QCD à son client, qui doit le procurer à son client, qui doit le procurer à son client jusqu'à ce qu'on arrive au consommateur final, c'est nous. Et on tire. Et quand on tire, nous, cette chaîne, on fait en sorte que tous les maillons de la chaîne, de la supply chain, soient forts. Et si un maillon est faible, la chaîne, il y a un maillon faible et la chaîne va... il y aura une rupture dans cette chaîne et donc on va aller vers une autre. Et donc, ces entreprises ont intérêt à augmenter leur QCD. Mais chacun d'entre nous va m'écouter, il va me dire, eh bien, très bien, je suis une entreprise XY catégorie, comment je vais faire pour pouvoir ramener le QCD dans mon entreprise? Eh bien, tout simplement, il faut, entre autres, bien sûr, deux choses qu'il faut. La première, c'est bien sûr, tirer le QCD de son fournisseur. C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire de m'entourer par des fournisseurs qui respectent le fameux QCD, respectent mon QCD, le fameux QCD, qui me procure la qualité que j'exige dans les délais que j'exige et au plus bas coût. C'est tout. Et avec cela, je vais donner le QCD à mon client. Eh ben, il faut la deuxième. Et une sans l'autre, c'est pas possible. Alors, je dois ramener aussi le QCD d'où? Je dois le ramener en interne. Qu'il y a en interne de chaque entreprise? Eh bien, en l'intérieur de chaque entreprise, il y a une chaîne. C'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne qui est liée par également par des maillons. Elle est constituée, pardon, de maillons. Et chaque maillon dans cette entreprise,
c'est ce qu'on appelle des processus. Un processus, comme tout le monde le sait, et pour les gens qui ne le savent pas, c'est un ensemble d'activités transformant des données d'entrée, des inputs, en données de sortie, des outputs. Et ce processus, il doit transformer ces inputs en outputs grâce à plusieurs activités et en mettant à sa disposition des ressources. Chaque processus, on doit lui dimensionner le nombre de ressources nécessaires en ressources humaines, financières et matérielles. Je répète, pour un processus, il faut lui attribuer trois types de ressources. Une ressource humaine, la ressource financière et la ressource matérielle. Et donc, ce maillon-là et ce processus-là doit être fort. C'est un maillon de la chaîne interne de l'entreprise. C'est un maillon de la chaîne de valeur de cette entreprise. Il existe plusieurs activités au sein de l'entreprise, plusieurs processus. Alors, chaque personne qui travaille dans une activité au sein de l'entreprise, il fait partie de la ressource humaine qui est affectée à ce processus pour pouvoir justement la piloter. Et comment on peut évaluer l'activité de cette entreprise et comme quoi elle va pouvoir nous donner un output et une sortie forte, une donnée de sortie forte, grâce bien sûr à des tableaux de bord. C'est ce qu'on appelle les KPIs, les outils justement d'aide à la décision. Donc, pour récapituler ce que j'ai dit. Alors, j'ai dit qu'une entreprise, qu'est-ce qu'elle soit, industrie, service ou distribution, elle se retrouve dans une chaîne. C'est quoi cette chaîne? C'est la global supply chain. Autant que quoi une entreprise? Autant que fournisseur et client. Donc, fournisseur de plusieurs clients et client à plusieurs fournisseurs. Et elle a intérêt à être maillon fort. Et si elle est maillon faible, elle sera expulsée de cette chaîne. Donc, pour être maillon forte, pour qu'elle soit maillon fort au sein de cette chaîne, cette entreprise doit ramener le QCD, doit procurer le QCD à ses clients. Sinon, le client va partir ailleurs, il va l'expulser de cette chaîne. Donc, comment ramener le QCD? On a dit de deux façons. Et une plus l'autre, c'est pas deux façons, mais deux éléments importants. Le premier, c'est tirer le QCD des fournisseurs et s'entourer de fournisseurs qui répondent à ces exigences qualité QLD. Et il existe un processus qui répond à cette exigence-là, qui nous permet justement de nous réaliser cela. On va le voir tout à l'heure. C'est notre fameux processus achat. Mais c'est pas suffisant. Même si je ramène le QCD en externe, c'est pas suffisant, c'est-à-dire de mes fournisseurs, c'est pas suffisant pour que je puisse, moi, entreprise, le donner à mes clients. Il faut le ramener en interne. Qu'est-ce qu'il y a en interne? Il faut que ma chaîne interne de l'entreprise, c'est-à-dire ma chaîne de valeur, soit une chaîne forte. Elle est constituée de quoi? Cette chaîne, on a dit, de fonctions et d'activités. C'est ce qu'on appelle les processus. Chaque processus, j'ai dit, c'est un maillon. C'est un maillon de cette chaîne qui est un ensemble d'activités transformant des inputs en outputs grâce à des ressources qui sont mises à notre disposition, des ressources humaines, matérielles et financières, et qu'un pilote de processus doit dimensionner. Et comment il doit justement piloter ce processus? Grâce à un tableau de bord qui lui permet de prendre des bonnes décisions pour pouvoir mieux piloter ce processus. Pourquoi c'est important? C'est important que le maillon soit fort, quel qu'il soit dans l'entreprise, il y en a plusieurs. Parce que sans output, l'output de ce processus ou de cette activité, cette fonction, comme vous voulez, c'est l'input de plusieurs autres activités dans l'entreprise. Si ce maillon-là est faible, il rendra toute la chaîne faible. Donc, si je commence à vulgariser un peu, yalla. Un peu pour que Monsieur Tout-le-Monde puisse nous comprendre aussi. C'est comme le corps humain. L'ardina, le corps humain, il est constitué de plusieurs fonctions. Ils sont tous liés entre eux. Il suffit qu'un maillon est faible, il rend toute la chaîne de l'entreprise faible, toute la chaîne du corps humain faible. Alors, il suffit qu'un maillon, un petit maillon, on s'est taillé un petit doigt. J'étais très bien le matin, je me suis taillé un petit doigt l'après-midi. Eh ben, tout simplement, je peux parler, discuter, fonctionner correctement, mais je ne suis pas autant productif que ce matin où j'étais saine. Il n'y avait pas ce problème-là. Parce qu'il y a la fièvre, il y a la douleur, il y a etc. Donc, un maillon est faible, il peut rendre toute la chaîne de l'entreprise justement faible. Donc, quelles sont ces fonctions-là? C'est quoi ces fonctions de l'entreprise qui peuvent nous donner ces fonctions-là de l'entreprise qui doivent être des maillons justement forts? Eh ben, il y a
deux types de fonctions ou deux types de processus. On a les processus principaux de l'entreprise et les processus support. Ça ne veut pas dire principaux, ça veut dire important. Ou support, allez, annexe. Non, absolument pas. Il faut que toutes les fonctions de l'entreprise soient des fonctions fortes et ils sont toutes importantes, qu'ils soient principales ou qu'ils soient support. Alors, pourquoi on les appelle support? Support parce qu'ils ne réalisent pas l'activité de l'entreprise. Ils supportent la réalisation de l'activité. Alors, si je vous dis, par exemple, une équipe de foot, c'est qui court dans un terrain? C'est le joueur, vous allez me dire. C'est qui marque les buts? Ben, s'il faut marquer des buts, c'est ça l'objectif de cette entreprise, c'est de marquer des buts. Donc, vous allez me dire, les joueurs, c'est les maillons principaux, mais sans rien, sans qui? Sans les maillons support, les diététiciens, le médecin, le préparateur physique, etc., etc. Et donc, sans ces maillons support-là, ils ne seront pas autant forts et productifs qu'entre l'équipe concurrente. Et donc, ne peuvent pas être des maillons forts pour qu'ils puissent procurer justement le QCD qui est escompté. Bien. Alors, on peut donner le même exemple du corps humain tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit sur le corps humain? On a dit qu'il est constitué d'organes qui sont tous liés entre eux. Et il y a des maillons principaux, il y a des maillons support. Bah, une personne, malheureusement, ne voit pas, par exemple, une personne qui, malheureusement, n'a pas assez de vue ou il est aveugle, malheureusement. Donc, il marche, il discute, il fonctionne parfaitement, il peut, être productif dans son domaine, mais il ne peut pas être productif dans plusieurs autres domaines. Donc, il a en fait un maillon faible par rapport au fonctionnement global de son corps, du corps ou de son entreprise. Donc, désolée de cet exemple, mais justement, c'est justement pour vous passer le message par rapport à cette notion de maillon support. Et donc ces maillons support là, il est important, il doit être fort. Et s'il est faible, il peut rendre tout le fonctionnement de l'entreprise. Alors tout cela, c'est quoi sa relation avec la logistique? On y arrive. Justement, on y arrive tout doucement parce que il y a les maillons support, j'ai dit, et les maillons principaux de l'entreprise. Alors, dans les maillons support, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les fonctions qui permettent de supporter l'activité de l'entreprise. Et les maillons principaux, c'est les maillons qui réalisent l'activité de l'entreprise. Si on rentre dans ce détail-là, on peut trouver, par exemple, sans les RH, on n'est rien, par exemple. Les RH, c'est les ressources humaines. C'est le processus. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas de direction. Ici, je ne parle pas de direction, je ne parle pas de de direction, département, division. Je parle de processus parce que là, il y a certaines personnes qui mélangent entre direction, direction, département, et ça, c'est une organisation de l'entreprise par rapport à un processus. Et le processus, c'est la fonction, c'est l'activité. Je peux avoir le processus, mais je n'ai pas besoin d'une organisation qui permet de gérer ce processus parce que je n'en ai pas besoin dans l'entreprise. J'ai une personne qui pilote plusieurs processus de l'entreprise. Mon exemple, comme d'habitude, les gens qui me connaissent, ils vont comprendre un peu mon exemple, c'est l'exemple de Hussein. C'est qui Hussein? Hussein, c'est notre fameux logisticien. Pour moi, c'est la mascotte de la logistique. C'est le vrai logisticien pour moi. Hussein, c'est une personne qui n'a pas fait d'études, mais il est excellent. Il est très fort. Allez, Hussein, sors de mes bagages. Il est toujours avec moi pendant mes séminaires et mes cours, que ce soit au Maroc et à l'étranger, pour expliquer un peu cette notion-là. Hussein, il est très fort, pourquoi? Logistiquement parlant, parce qu'il est très performant en tant qu'entreprise. Hussein, il a maximisé ses compétences et sa performance de sa chaîne logistique, mais à 100 échelles. Vous allez me dire, ah ben super, il n'a pas fait d'études de logistique et il est très fort en logistique. Oui, mais à 100 échelles. S'il avait fait des études, ça serait une GMS aujourd'hui. Mais Hussein, il est toujours fort dans son environnement et dans sa petite hanouta et de son activité. Je m'inspire beaucoup de Hussein dans les activités logistiques. Bien, alors justement, si je prends par exemple Hussein, il n'a pas de processus RH, finance, marketing, ni gestion des stocks, ni autre, achat, appro, etc. Mais il n'a pas les départements, tous ces départements-là, mais il a les processus logistiques, achats, RH, finances, et j'en passe.
Et j'en passe, c'est-à-dire toutes les fonctions. Alors, vous allez me dire, RH, oui, RH, il fait le recrutement au douage, il fait les entretiens, il fait du social, et en faisant les rations alimentaires à son employé, il lui fait la paye chaque semaine, il lui fait la formation, et également développement de carrière. Il lui a laissé Hanouta, il est parti ouvrir une autre. Donc ça, c'est le processus RH. Mais il n'a pas besoin d'avoir toute une activité RH, c'est plutôt toute une organisation RH, département, direction, division, pour pouvoir réaliser cette fonction, qui est la fonction RH. Et bien pareil, il pilote la gestion des stocks, il pilote les approvisionnements, les achats, sa comptabilité fin de journée, et il fait du commercial, bien sûr, c'est l'activité qui est toute. Il est toute la journée derrière un comptoir, et donc, et bien sûr, marketing, et j'en passe. Donc, il pilote tous les processus. Donc, on trouvera combien de ressources humaines sur tous les processus de Hussein? 0, virgule. Et si on fait la somme, on trouvera fameux 1 ou 2, s'il a pris un deuxième employé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'était juste pour un exemple, pour expliquer. C'est la notion de processus par rapport au département, division et service. Il y a certaines personnes qui mélangent. Donc, je peux être une ressource qui pilote plusieurs processus, et je suis pas obligée d'avoir plutôt l'organisation logistique, par exemple, l'organisation RH ou une organisation département, service, direction et division, pour que je puisse avoir cette activité au sein de mon entreprise. Bien, alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire cette chaîne. Donc, c'était une petite parenthèse pour expliquer. Donc, les processus support, tous les processus qui interviennent au sein de cette entreprise, au sein de cette entreprise, et qui supporte l'activité. Mais quels sont les processus alors principaux? Ce sont eux qui réalisent l'activité. Et parmi les processus qui réalisent l'activité, d'abord, il faudrait justement, ça commence par quoi, justement? Ça commence par d'abord, il faut mettre en place des prévisions. Prévisions. Vous allez me dire, mais les prévisions, c'est des prévisions de vente. Oui, c'est les prévisions de vente qui sont réalisées par deux processus dans l'entreprise, qui sont le processus marketing et le processus commercial, grâce aux études qualitatives et les études quantitatives qui sont réalisées et qui permettent de réaliser un plan prévisionnel des ventes qui est transformé ensuite en plan de production si c'est une industrie ou et qui est transformé directement en plan d'achat si c'est une entreprise de distribution de services. Donc, finalement, on a des prévisions qui doivent être réalisées sur du moyen terme et qui doivent être déclinées sur du court terme. Ces prévisions-là sont ensuite déclinées et pour l'ensemble des processus pour pouvoir justement faire le budget de l'entreprise en termes de besoins. Alors, parmi les processus qui déclenchent cette chaîne de valeur interne, donc, il faut transformer ces prévisions en prévisions d'achat et de besoins. Donc, une fois qu'on a ces prévisions-là, de ce qu'on a besoin d'acquérir pour pouvoir fonctionner notre entreprise, il faudrait ensuite réaliser le processus achat. C'est le processus qui va suivre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, tout le monde... La plupart d'entre vous va me dire, ben non, ben, maintenant il faut commencer à produire. On produit quoi? On va produire le produit ou le service pour lequel l'entreprise est là, elle fonctionne. Je suis d'accord. Mais si on prend par exemple une entreprise de service ou industrielle ou de distribution, alors pour pouvoir acquérir justement les biens dont elle a besoin pour fonctionner, elle a besoin de fournisseurs. Et voilà, on prend n'importe lesquels. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut s'entourer des meilleurs fournisseurs sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Allez, il faut faire sortir justement notre fameux processus achat. Le processus achat peut être résumé, en gros, en 4 verbes. D'abord, prospecter. Négocier ensuite. Contractualiser avec un fournisseur. Et finalement, revenir pour évaluer ce fournisseur pour être sûr que ce fournisseur est toujours qualité, coût et délai. Sinon, on ne pourrait pas justement continuer à travailler avec lui parce que si on continue à travailler avec un fournisseur qui ne nous procure plus le QCD, parce que l'évaluation de ce fournisseur a démontré qu'elle ne répond pas aux nos exigences, eh ben, on deviendra maillon faible. On recevra la marchandise non conforme, on recevra la marchandise en retard.
ou encore plus cher que par rapport à nos concurrents. Donc, on ne pourra plus fabriquer ni produire le service et le bien dans la qualité exigée par nos clients, ou encore au plus bas coût, ou encore dans les délais escomptés ou exigés ou convenus. Et dans ce cas-là, on deviendra maillon faible parce qu'on ne répond plus aux exigences de nos clients. Donc, une entreprise doit avoir un maillon fort qui est le processus achat. Processus achat, pour répéter, prospecter, chercher les fournisseurs, négocier, c'est-à-dire passer les négociations avec le fournisseur, ensuite revenir, c'est-à-dire négocier. Il y a les techniques de négociation, on doit être fort sur ces techniques-là. On peut y revenir plus tard, inchallah, dans d'autres séances. Et ensuite, contractualiser, être fort sur la contractualisation de contrats avec ses fournisseurs. Ensuite, le processus achat s'arrête, d'autres processus prennent la main, notamment le processus approvisionnement. Le processus achat de tout à l'heure n'a pas encore terminé, parce qu'il va revenir ensuite pour faire justement l'évaluation de ce fournisseur pour pouvoir continuer encore à travailler avec ses fournisseurs ou pas. Alors, qui prend la main? Donc, le output du processus achat, c'est un fournisseur QCD. Et c'est quoi alors l'input? L'input, c'est le besoin. Le besoin qui était le output des prévisions. Donc, l'input, c'est les besoins. On a besoin. J'ai besoin d'un produit. Alors, la machine tourne, processus achat, ça sort quoi? Fournisseur QCD de ce besoin. Voilà, je vous ai trouvé le fournisseur QCD. Qui prend la main ensuite? Le processus approvisionnement. Et donc, l'approvisionnement, c'est celui qui va concrétiser l'acte d'achat en passant les commandes selon des politiques, justement, d'approvisionnement que doit l'entreprise choisir et mettre en place. On va y revenir dans d'autres séances encore plus en détail pour ouvrir chaque processus de cette chaîne de valeur qui est la chaîne logistique interne de l'entreprise. On a approvisionné, on a concrétisé l'acte d'achat par la passation de commandes et selon des politiques d'approvisionnement en répondant aux besoins à la quantité nécessaire dans les délais et dans les besoins de l'entreprise. Bien, yes, j'ai répondu aux besoins de l'entreprise dans les délais. Je n'étais pas en surstock, je n'étais pas la cause d'un surstock ni de rupture de stock pour approvisionner mon entreprise pour ses besoins, pour faire fonctionner, pour la faire fonctionner en service, en distribution ou pour lui procurer la matière première nécessaire. Alors, dans ce cas-là, qui prendra la main? Un autre processus, c'est la logistique en amont. Donc, si je fais l'enchaînement, prévision, achat, approvisionnement, ensuite logistique en amont. La logistique en amont, c'est une logistique avant quoi? Pour l'industrie, ça va être avant production. Pour le service, c'est pareil. Pour un médecin, c'est avant de produire le soin, avant de produire le service. Et on nous retrouvera ensuite la logistique en aval. Donc, la logistique en amont, comme le mot, comme ça se prononce, donc AMONT, en amont, c'est avant la production et en amont de la chaîne, avant justement cette fameuse production. Elle contient quoi, cette logistique en amont? Elle contient trois sous-processus importants. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a passé nos commandes chez les fournisseurs. On a concrétisé l'acte d'achat par la passation de commandes selon le besoin dont on a besoin, dans les délais dont on a besoin. Très bien. Et ouais, qui prend la main ensuite? Et le processus qui doit prendre la main, il doit être aussi fort comme tous les autres précédentes que je viens d'énumérer. C'est le transport. Eh bien, il faut transporter de ce fournisseur. Il faut transporter quoi? Il faut transporter le bien qui vient d'être acquis ou tout produit qu'on vient d'acheter. Si c'est la matière première pour l'industrie, ça peut être matière première, emballage, outillage, c'est-à-dire, je dis bien. C'est quoi un bien? C'est tout ce qu'on achète. Tout ce qu'on achète, on doit le transporter. Vous allez me dire, mais c'est peut-être que j'ai négocié avec le fournisseur qu'il me fasse le transport. Peu importe. Ça, c'est une stratégie au niveau de transport. Est-ce que je fais ou je fais faire? À mon fournisseur. C'est une stratégie. Mais peu importe, vous le faites ou vous le faites faire, vous avez le processus transport. Vous avez une marchandise qui doit être transportée. Vous avez intérêt à avoir un processus de transport très fort. Et si ce processus de transport est faible,
il vous rendra toute la chaîne faible. Quand je dis processus transport faible, ça veut dire qu'il ne ramène pas la marchandise dans l'état, qu'il ramène la marchandise, mais elle est défectueuse, ou encore qu'il coûte plus cher. Donc, il peut être maillon fort pour le fonctionnement de toute la chaîne de l'entreprise, et donc le fameux QCD. Le fameux QCD ne peut pas être procuré au client. Donc, le transport. Et si jamais ce fournisseur-là, dont on a parlé tout à l'heure, était un fournisseur à l'international? Et donc, il faut faire du transport international. Et donc, dans deux séances prochaines, je ferai le plaisir d'étayer aussi, pendant une séance, ce processus-là, qui est le transport national et international en amont, et également celui en aval. Et ce processus-là, également, doit être un processus extrêmement fort. Quand je dis un processus fort, qui n'est pas faible, c'est-à-dire qui procure le QCD dans son output. Il ramène la marchandise au plus bas coût, dans les meilleurs délais, et qu'on exige. Il doit s'améliorer au fur, à chaque fois, jusqu'à ce que ce processus soit toujours en performance. Et cela n'est pas que pour ce processus transport. Je dirais la même chose pour l'ensemble des processus que je vais évoquer, que ce soit les processus logistiques ou les autres processus et les fonctions principales et supports de la chaîne de valeur de l'entreprise. Bien, on a transporté, on a ramené la marchandise. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Eh bien, il faut la stocker. Il faut gérer les stocks. Alors, la gestion des stocks, c'est un processus important dans l'entreprise. Pour l'industrie, on trouve la gestion de stocks en amont et la gestion de stocks en aval. Donc, la gestion de stocks en amont, c'est le stock qui est avant la production. En aval, c'est celui du produit fini. Un mot important. Faute de temps, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on aura également une séance pour ce processus. Gestion des stocks, c'est le maillon. Pour moi, c'est le maillon qui est touché facilement par des maladies. C'est quoi la maladie principale de ce processus? Il est touché par une maladie. Je sais que malheureusement, les circonstances n'aiment pas parler des maladies, mais la maladie, moi, j'ai dit toujours dans mes conférences, c'est celui qui chope le cancer. Le cancer, dont je parle de cancer, c'est quoi le cancer que chope ce processus? Et s'il le chope, ce processus qui est la gestion des stocks, et s'il n'est pas éradiqué immédiatement ce cancer en stade 1, il passera en stade 4. C'est-à-dire, on ne fait que gérer le problème, pas à la source, en cherchant les causes racines, en identifiant, en diagnostiquant, en mettant en place les plans d'action et en éradiquant le problème à la source. On fait juste, en fait, à résoudre le problème de façon curative et non pas préventif. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera? Ce cancer-là va se propager. Parce que l'output de ce processus, c'est l'input de tous les autres processus, comme on avait dit tout à l'heure. Quel est ce cancer, alors, pour la gestion des stocks? Ce sont les écarts de stock. Les écarts de stock, c'est la différence entre le stock théorique et le stock réel, physique. Et quand il y a des écarts, ça veut dire qu'on ne peut pas approvisionner. On ne peut pas approvisionner dans les temps. Maradish, nous pouvons être correct. Donc, je sais que je n'ai pas de fraise, je sais que le placard, il y a 4 paquets, je ne sais pas, de rose. 4 paquets de riz, ou un achasni, 5. خرجت نتقدى جبت معايا وحده ملي جيت نقلب j'ai trouvé combien 0 je suis en rupture de stock parce que le stock théorique n'est pas comme le stock réel, il y a des écarts et donc ça va impacter quoi l'approvisionnement, qui va impacter quoi la production, qui va impacter le commercial, qui va impacter qui le client, et hop on a perdu le client et le client il n'aime pas être impacté en livrant en retard ou pas conforme ou plus cher. Et donc, il va nous expulser de notre chaîne. Donc, on a intérêt à ce que ce processus soit un maillon fort, comme tous les autres processus. On a stocké, on a géré les stocks. Alors, il faut servir ensuite à la production. Et on arrive ensuite à la production. Produire, fabriquer le bien ou le service. Ce processus n'existe pas dans la catégorie distribution, puisque on stocke et on déstocke pour pouvoir justement livrer. Alors, processus production. Dans le service ou dans la production, c'est le même. Il faut d'abord planifier. Donc, il faut le processus de planification. Planifier tout ce qu'on fait. Comment vous savez qu'on a séance aujourd'hui? C'est grâce à la planification. Et ensuite, il faut ordonnancer. Donc, Monsieur Badr, si Badr et si Salahdin, ils ont ordonnancé les interventions. Et je suis là pour faire le troisième processus, sous-processus, qui est la fabrication du service.
d'en produire, il fallait planifier, ordonnancer, haql asbaqiya, les règles de priorité, et ensuite, il faut fabriquer. Donc, on y reviendra sur ces trois sous-processus, aussi en détail, inchallah, j'espère, dans des séances prochaines. C'est la séance 1 d'initiation globale pour avoir une idée globale. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, j'ai dit, fabriquer. Et dans chacune d'entre elles, il faut que ça soit des maillons forts. Si un des trois ou les trois sont faibles, c'est-à-dire ils ne permettent pas de donner la qualité, le coût et le délai, et donc ça reviendra à ce qu'on est toute la chaîne. On a produit, on a fabriqué, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça passe dans la logistique ensuite, aval. La logistique aval, comme dans la logistique amont, ce sont trois sous-processus, à savoir, d'abord, il faut gérer le stock de tout ce qu'on a produit. Et pareil, il faut que ce soit un stock fiable. Et il faut que ce soit un processus fort, fiable. Et comment? Qu'il n'y ait pas qu'on tend vers le 0% d'écart de stock au sein de ce processus. Parce que ce processus, il va impacter directement le commercial, qui est un processus commercial, qui impacte directement le client. Et donc, ça ne sert à rien que tous les autres processus avant, et qu'on ait maillon fort. Maillon fort. Donc, ça sert à quoi? Donc, il faut qu'il soit maillon fort aussi. Donc, on a intérêt à le fiabiliser. Exact. Et ensuite, il faut servir, c'est-à-dire servir le produit selon les commandes clients, préparation de commandes. Et ensuite, il faudrait justement ensuite préparer les commandes et préparer la livraison vers le client. C'est le processus transport encore. Mais cette fois-ci, c'est le transport aval. Le transport aval, que ce soit national et ou international. Et s'il est international, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est l'export. Alors que tout à l'heure, je vois de l'international, ça se nommera import. Donc l'import et l'export. Les deux activités qui parlent tout à l'heure, ils doivent être des maillons forts. Et si ces processus-là sont maillons faibles, ça fait, livrer le client, ça y est, on a fait le transport, on a livré le client, ça fait, tout est fini dans la chaîne, elle mais elle va être. Encore, mais on a livré le client, donc mafkawalo, non, si, il y a un processus qui est très mal connu des entreprises. C'est un processus que les entreprises ne le prennent pas en considération. C'est un processus qui est très important de la chaîne logistique et la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est un processus qui, si on ne le prend pas en considération, il peut faire virer toute l'entreprise dans des pertes énormes. C'est ce qu'on appelle reverse logistics. Alors, c'est quoi ce processus reverse logistics? Reverse logistics, c'est un processus dans lequel une entreprise doit gérer ses retours. C'est la gestion de retours. C'est la logistique inversée, la logistique dans le sens inverse. Quand un produit est vendu à un client, il ne doit pas retourner. Vous allez me dire, mais non, et s'il n'est pas conforme? Eh bien, s'il va conforme, il va retourner. Mais à charge de qui? À charge du fournisseur, de l'entreprise. Parce qu'il n'est pas conforme. Donc, cette entreprise doit gérer le retour, doit gérer justement ce retour-là, la cause racine de ce retour. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise? Sans parler, bien sûr, de l'image de marque de ce produit qui a été, qui a pris un coup sur le marché. On peut prendre plusieurs exemples d'entreprises dont leur reverse logistique leur a coûté plus très cher. Par exemple, Samsung avec le fameux Note fin 2016 dont la batterie explosée, et donc elle était obligée de faire la gestion des retours de tous les produits non conformes de par le monde, et donc ça a touché plus de 30% de son chiffre d'affaires en 2016. Rien qu'à sur un type de produit. Sans parler, bien sûr, de toutes les industries automobiles, avec les pots d'échappement, et également Renault, etc. Donc, toutes les entreprises qui ont fait de retour du manufacturier parce qu'il y avait une non-conformité au niveau du produit. La même chose dans l'agroalimentaire. Quand il y avait le problème avec Snickers et Mars au Maroc, avec le problème du plastique, et la société Dislog était dans l'obligation de faire tout un retour justement des marchandises. C'est un processus qui doit être extrêmement bien fort. C'est ce qu'on appelle la logistique inverse, la gestion des retours. Alors, c'est quoi ce processus? C'est pas que gérer le retour dans le sens inverse, mais également faire en sorte d'analyser et de diagnostiquer pourquoi ce retour-là. Et quelles sont les causes racines, bien sûr, les analyser, les diagnostiquer,
diagnostiquer, puis analyser et ensuite dresser un plan d'action pour éviter que ça ne se reproduise pas. Et donc, c'est avec cela qu'un produit, on n'aura pas la même non-conformité pour une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'une entreprise peut blinder sa chaîne de valeur. Alors, pour résumer ma chaîne, donc j'ai parlé de prévision liée aux achats, à l'approvisionnement, à la logistique amont, transport, gestion des stocks et servitudes, à la production, ensuite production avec planification, ordonnancement et fabrication, et finalement, la logistique aval, à la logistique aval avec d'abord la gestion des stocks aval, bien sûr, ensuite la préparation des commandes et servitude et préparation des commandes, et enfin le transport national et international vers le client. Et sans oublier, bien sûr, la reverse logistics. Alors, vous allez me dire, ils sont liés que comme cela? Pas du tout. Ils sont tous liés entre eux. Il suffit qu'un maillon est faible, il peut rendre toutes ces chaînes-là. Bien. Alors, dans ce cas-là, comment je peux rendre ma chaîne forte, justement? Il faut que toutes ces maillons-là dans l'entreprise soient des maillons forts. C'est-à-dire que chaque pilote de l'entreprise doit être maillon fort et pilote correctement son processus qualité. Coût, aidez-le, le fameux triangle. Et c'est pas suffisant, il faut bien sûr tirer le fameux QCD de la part de nos fournisseurs, exiger la qualité, le coût et les délais des fournisseurs pour ramener le fameux QCD à l'entreprise qu'elle doit le procurer au client et être toujours dans l'amélioration continue pour que on réponde toujours aux exigences du client. Maintenant, comme on a su justement, pourquoi cette entreprise doit être maillon fort elle-même pour ce client pour qu'elle soit maillon dans la global supply chain, sinon elle va se faire expulser parce qu'elle est devenue maillon faible. Alors, dans ce cas-là, si cela vous intéresse, chacun d'entre vous va dire, alors comment peut-on rendre plus performants les différents maillons de cette chaîne logistique, cette chaîne de valeur de cette chaîne logistique? Eh bien, justement, il faudrait décortiquer chaque processus et être beaucoup plus performant et découvrir ensemble chaque processus de cette chaîne. Alors, c'est quoi justement le processus achat, le processus appro, la gestion des stocks, amont et aval, la production avec sa planification, son ordonnancement et sa fabrication, et bien sûr le reverse logistique, sans oublier bien sûr le processus transport. Si vous voulez qu'on rentre dans ces détails-là, de tous ces éléments, alors, si vous voulez que je vous explique tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va voir. Séance prochaine. Merci. Voilà. Donc, j'espère que cette séance, je sais que j'ai un peu débordé sur le temps, mais il était très important justement de parler sur ces éléments. Et donc, je passe directement à certaines questions. Il y a certaines personnes qui ont déjà posé des questions, donc je vais y répondre volontiers. Alors, il y a Monsieur Younes Elbahi. Alors, il serait judicieux de différencier entre la supply chain et la chaîne logistique. Ben, tout à fait, bien sûr. Et il faudrait remonter aux années 90 en parlant des éditeurs de logiciels. C'est un passage important à expliquer aux étudiants bien à vous. Merci. Merci, Monsieur Bahi. C'est important votre point. Et justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le départ. Pourquoi? Parce que quand on parle de chaîne logistique, la chaîne logistique, justement, il y en a deux. Il y en a la chaîne logistique interne et la chaîne externe. Et la chaîne externe, justement, qui a été développée depuis les années 90 vers aujourd'hui en supply chain. Et le terme anglais et le terme français, faut faire attention parce que la terminologie en anglais n'a rien à voir avec la terminologie en français. Il y a le lexique, le jargon, il y a le jargon anglo-saxon spécifique et qu'ils veulent dire la même chose. Je suis d'accord avec vous, la logistique a pris naissance dans les années 50. Quand elle a pris naissance, il s'agissait de tâches. On parlait de tâches. Et les logistiques se limitaient à des tâches. Et c'est pour ça que on avait la chaîne logistique actuelle dont j'ai expliqué tout à l'heure, c'était une chaîne qui dans laquelle on peut dire que les entreprises se limitaient à une logistique de maturité zéro. C'est-à-dire une maturité qu'on appelle traditionnelle. C'est-à-dire que les processus logistiques se limitaient à stocker, passer commande, transporter, etc. Donc, il n'y avait pas la notion de pilotage, de processus, etc. Dans les années
C'était dans les années 50-60. Dans les années 70, on est passé justement à la notion de processus. Donc, on est passé à la notion de processus entre entreprises, entre les fonctions. Et donc, on a commencé à parler fonctions, parler processus. Le problème, c'est-à-dire qu'il y a eu mutation de cette logistique, une mutation de la maturité logistique du niveau 0 vers le niveau 1. Et c'est ce qu'on appelle la logistique fonctionnelle. C'est-à-dire une entreprise, elle a des fonctions. C'est des processus. Mais chaque processus, il est motivé par ses propres objectifs. Et il travaille dans son petit coin. Donc, il y a pas une, il y a une sous-optimalité de l'ensemble. Il n'y a pas une compétence. C'est ce qui s'est passé dans les années 70 et 80. C'est à ce moment-là que les entreprises, il y a eu la mutation vers ce qu'on appelle la logistique intégrée, c'est le niveau 2 de maturité. La logistique intégrée, ça veut dire que chaque processus, il est devenu en interaction transverse. Comment on peut le détecter en tant que consultant? Comment on peut le détecter? C'est justement en analysant, en diagnostiquant certains processus. Du premier coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas des indicateurs en commun entre les différents processus de l'entreprise. C'est-à-dire, si c'est pas le cas, c'est une maturité. Si c'est le cas, ça commence à être une maturité 2. C'est ce qu'on appelle les interactions transverses entre les différents processus de l'entreprise. Et malheureusement, c'était pas suffisant à la fin des années 80-90 parce qu'il y a eu la mondialisation, la compétitivité, elle est devenue très forte et la concurrence très dure. Alors, qu'est-ce qu'elle doit l'entreprise être? Encore plus forte. Comment ça? Être plus forte en passant à la maturité 3. Ça veut dire quoi? Ce fameux QCD qu'elle a ramené en interne, elle était forte à le ramener, il était plus suffisant. Elle devait le faire avec ses fournisseurs et également ses clients. Et c'est là où la notion Global Supply Chain est née. Et la chaîne logistique, ou plutôt la supply chain est née. Ça veut dire quoi? C'est l'interaction transverse entre les différents maillons. Et le maillon, cette fois-ci, c'est l'entreprise, avec l'ensemble des fournisseurs et l'ensemble des clients. C'est-à-dire que l'entreprise devient ce qu'on appelle une entreprise étendue. C'est une logistique étendue, depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client. La performance, on ne cherche pas le QCD que chez nous dans l'entreprise, mais depuis le fournisseur de mon fournisseur jusqu'au client du client. Les exemples, c'est l'industrie aéronautique, l'industrie aéronautique, automobile, aujourd'hui, qui a la même mise dans sa supply chain jusqu'au grade 4 et 5, c'est-à-dire le fournisseur du fournisseur du fournisseur du fournisseur. Mais à ce moment-là, depuis 2000 à 2020, justement, vous avez parlé de progiciel tout à l'heure, c'est plus suffisant d'être en maturité 3. Donc, ça veut dire quoi maturité 3? D'être un maillon, une entreprise qui maîtrise toute sa supply chain depuis les fournisseurs jusqu'à clients. Alors, c'est quoi alors le niveau 4? Le niveau 4, c'est le cinquième niveau de maturité. C'est ce qu'on appelle le e-chain, le e-supply. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire maîtriser toute sa supply chain, mais avec les flux d'informations en plus et moins de flux physiques. C'est-à-dire mettre en place des systèmes, des SI, des IT, au niveau de tout le fonctionnement de la chaîne de valeur, de la chaîne logistique interne de l'entreprise et bien sûr externe avec ses clients. Donc, voilà un peu, justement, dont vous avez parlé, la mutation qu'il y a eu depuis les années 90 à aujourd'hui. Alors, une autre question ici, j'ai Mehdi Malni, la dépendance des maillons, d'où la notion d'objectif commun des fonctions apparaît. Et tout à fait, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de dépendance. Le mot dépendance me gêne, Monsieur Mehdi. C'est pas la dépendance, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire, chaque processus est interdépendant de l'autre. Et quand il y a cette interdépendance entre les différentes fonctions dans l'entreprise en interne et entre les différents clients dans la chaîne externe, c'est-à-dire fournisseurs, clients, ça crée de la valeur ajoutée et ça crée de la valeur. Et ça crée ce fameux QCD dont le client cherche. Et le client tire toujours, tire. Il tire, il cherche quoi? Toujours la qualité qu'il exige encore mieux et dans un délai qu'ils doivent être beaucoup plus performants par rapport à ses exigences et encore le coût le plus bas. Et donc, il faut répondre à ces exigences-là.
Le processus de mesure, quand vous parlez de processus de mesure, moi je parlais de processus, les processus en général, bien sûr, de pilotage, que ce soit des processus, les mesures de performance, que ce soit plutôt le pilotage du processus, que ce soit en fait des indicateurs de suivi ou bien sûr de performance. Ce sont les indicateurs pour pouvoir piloter et mesurer la performance et non pas pour que ce soit une tâche, Monsieur Younes. C'est comment dirais-je, le pilotage d'un processus ne doit pas être une tâche. Parfois, on trouve qu'il y a certains pilotes qui utilisent les indicateurs comme une tâche. Je dois, c'est la fin du mois, s'il calcule les indicateurs et mais il n'a rien compris. Les indicateurs, ce sont des outils d'aide à la décision. On m'a dit à Aounouk pour prendre les bonnes décisions, pour atteindre l'objectif, pour que ton processus soit QCD. Et si ton processus est faible, il rendra toute la chaîne faible. Et ainsi de suite, l'entreprise par rapport à ses clients et qu'elle doit l'exiger à ses fournisseurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais défiler encore ici. Je suis novice sur Facebook, je suis désolée, c'est pour ça que je... Alors, l'exemple de Hossine, oui, Basma. Hossine m'accompagne depuis 10 ans. Alors, je me suis pas... Je suis rentrée directement tout à l'heure pour le cours, tellement hâte de ne pas s'enseigner. Je ne me suis pas justement présentée, je vais le faire rapidement. Je suis consultante, j'ai un cabinet de conseil justement, de conseil et de formation qui accompagne les entreprises dans leurs activités. Donc, je suis consultant en supply chain et en logistique. J'accompagne les entreprises à gagner des sous. Je suis tueur à gages de sous, ce qu'on appelle un cost killer. Et ma passion, c'est la logistique. Mais ma vraie passion aussi, et pour mes étudiants qui le connaissent, je suis professeur et enseignant pour plusieurs business schools, universités et privées et publiques au Maroc et aussi à l'étranger. Et c'est ma passion. Le partage et la formation. Depuis 10 ans que je fais ce métier-là, qui est la formation et bien sûr le conseil qui est mon métier de base, le conseil et le consulting. Mais la formation, c'est ma passion, que ce soit pour l'entreprise, mais surtout pour les écoles, bien sûr, pour les écoles et pour les universités. Bien. Et c'est pour cela que, bon, je reviens sur ton exemple, c'est Hussine. Hussine, c'est ma mascotte. J'ai chez Hussine, en fait, l'exemple type du logisticien. Il réalise toutes les activités logistiques, mais malheureusement, il est toujours en maturité zéro, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ben, si on... Hussine, quand on trouve le fils de Hussine qui a fait des études, il a développé la hanouta de son papa, on trouve qu'il est devenu un magasin beaucoup plus performant, beaucoup plus fort et qui a fait des bébés. Pourquoi? Parce que la notion processus a pris la main, parce qu'il y a du pilotage, des indicateurs, des tableaux de bord, il y a de la performance qui a été mise en place. Hussine, pour moi, c'est le meilleur. Pourquoi? Il tend vers zéro écart de stock. Ben, si on voit par exemple sa performance par rapport à son chiffre d'affaires et sa marge bénéficiaire par rapport à son activité, on trouve qu'il est très performant. Il gère bien ses stocks, il gère bien ses approvisionnements et on trouve, et quand j'analyse un peu les stratégies de planification, des politiques d'approvisionnement qui existent dans la littérature et qu'on enseigne, et je vérifie un peu comment on fait. Hussine, je vois qu'il maîtrise cela, mais qu'il ne le connaît pas. Il maîtrise, il le fait de façon autodidacte, mais il ne connaît pas le nom ou le lexique lié à ça. La même chose pour l'ordonnancement. Quand je vois comment il gère le flux dans sa hanouta, ben c'est la meilleure façon pour y gérer le bottleneck dans une chaîne, dans sa chaîne. Dans sa chaîne de production. Donc, et ainsi de suite. Justement, on va se mettre encore plutôt, expliquer encore plus les exemples avec Hossine dans les prochaines séances pour les prochains processus. Une dernière question. Alors, oui, c'est le vrai logisticien, je suis d'accord. Quel module vous traitez, madame? Alors, aujourd'hui, ce que j'ai traité, c'est la logistique en global, en généralité, parce que ça va être notre introduction pour les séances prochaines, puisque dans les séances prochaines, on va rentrer,
On va essayer de zoomer sur chaque processus de cette chaîne pour essayer d'optimiser et d'améliorer encore plus, de le découvrir d'abord et chercher la performance dans ce processus. Et on va ainsi de suite faire essayer de faire des séances pour chacune de ces processus, si vous le voulez bien. Voilà. Alors, puis la logistique en amont, tout à fait. Alors, les écarts. Alors, Amine Minen, bonjour Amine, ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Alors, les écarts, tout à fait, les fameux écarts, les écarts de stock, c'est toujours, il faut pas les oublier. C'est un, pour moi, comme je dis toujours, ce sont parmi les cancers d'une entreprise qui chope le processus de gestion de stock. Et si on chope malheureusement ce cancer, il faut la chimio tout de suite. La chimio tout de suite pour ce processus, sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se propager. Ce cancer, on se retrouvera avec métastase. Donc, en tant que consultant, on va se dire à cette entreprise, mais comment voulez-vous qu'on augmente la performance de cette entreprise? Tous les maillons sont gangrénés par, justement. Donc, il faut, donc, c'est pas une mort certaine, mais c'est un mort à petit feu. Et dans ce cas-là, on va essayer de traiter tel organe ou tel organe ou tel organe, mais le résultat ne sera pas. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait éradiquer les problèmes, justement, à la source. Tout à fait, écart entre le stock théorique et le stock réel. Alors, tout à fait, et justement, on a parlé des goulots, des tremblements, justement. Bien, voilà. Donc, ça a été avec un grand plaisir de partager cette première séance avec vous. Alors justement, il y aura le partage aussi de tout ce que je viens de dire sur quelques slides qui seront justement partagés avec vous. Je les ai envoyés à Monsieur Boulac qui s'en chargera de les mettre en ligne pour vous pour cette première séance. Ça va être la même chose pour les prochaines séances, Inch'Allah. Alors si je me permets très rapidement dans les 4 minutes qui restent, parce que je me suis dit au plus tard 19h30 pour ne pas focaliser. Donc, je vais afficher ces slides. Je vais essayer d'afficher ces slides. Je pense qu'il s'est éteint. Alors, justement, sur ces slides, vous allez retrouver justement... Bah, j'ai éteint au lieu de... Justement, au lieu de l'allumer, je l'ai éteint. Le temps que ça se rallume, voilà, donc pour pouvoir conclure cette première séance, c'était un grand plaisir pour moi et j'espère que c'était bénéfique pour vous, cette première séance. N'hésitez pas à interagir avec nous et au plaisir de vous retrouver tous pour la séance numéro 2. Merci à tous et bonne soirée. La présentation vous sera transmise en ligne, Charles. À bientôt, au revoir.